Alors Star Wars, bon j'ai pas besoin de vous présenter, hein, tout le monde connaît, hein, c'est même pas la peine. Si vous connaissez pas Star Wars, ben les gars, là je sais pas quoi faire pour vous, hein, je suis désolé déjà. Mais si vous aimez pas, vous avez le droit, y'a pas de souci, y'a aucun problème. Comme l'avait dit je ne sais plus qui, on a le droit d'avoir mauvais goût. Oh c'est super sympa ça. Non je plaisante. Non sans déconner, si vous aimez pas, y'a pas de souci, hein. Les goûts et les couleurs, tout ça, je peux comprendre qu'on aime pas forcément la science-fiction. Mais bon, si vous aimez pas la science-fiction, logiquement vous devriez pas être en train de regarder cette vidéo. Star Wars 8 a fait couler énormément d'encre, surtout au niveau de la... des fans de Star Wars. Car oui, comme vous le montre ce magnifique reportage du site internet du Figaro, hein, avec une magnifique musique totalement pas adaptée. Eh bien, il semblerait que des fans ont décidé de faire une pétition contre ce film. Voilà, il y en a qui font des pétitions pour essayer de changer le monde, et d'autres c'est pour changer des films. Chacun son truc, hein. Pourquoi j'ai aimé ce film? Parce que Star Wars 8, c'est le film qui te retourne le cerveau par rapport à l'univers Star Wars. Tout ce que tu connais sur le film, enfin sur l'univers Star Wars, peut être remis en question avec ce film, mais d'une bonne façon. C'est-à-dire que tous les éléments qui paraissaient un peu surprenants, qui paraissent totalement surprenants dans Star Wars 8, bah, quand on gratte un petit peu l'univers Star Wars, quand on commence à faire quelques recherches ici et là, eh bien on se rend compte que c'est pas si logique que ça. Non. Alors on va commencer tout de suite par le plus gros truc, hein, qui a fait couler pas mal d'encre et sourire beaucoup. Oui, Leia qui nous la joue Mary Poppins, hein, et qui ne meurt pas dans l'espace. Alors oui, scientifiquement parlant, si vous partez dans l'espace et que vous sortez sans combi, sans rien du tout, vous mourrez, hein, vous explosez, c'est dégueulasse. Le montage de l'émission et je viens de me rendre compte que j'ai dit une énorme connerie. En réalité, quand on est dans l'espace sans combinaison, on ne meurt pas en explosant. Non, c'est un magnifique cliché de science-fiction dans lequel je suis facilement tombé. Donc, maxima mea culpa, hein, je m'excuse, hein, d'avoir donné une information erronée. Après m'être renseigné, il semblerait que lorsqu'on est dans l'espace sans combinaison, eh bien on meurt plutôt d'asphyxie, car on est dans le vide et il n'y a donc pas de pression autour de nous et l'air qu'on a dans nos poumons, lui, va décider de quitter notre corps pour aller dans le vide. Voilà, donc je m'excuse encore une fois et on reprend le cours normal de l'émission, c'est-à-dire on parle de Leia qui se la joue à la Mary Poppins. Toutefois, je vous rappelle que dans l'univers Star Wars, on a la Force. Je vous rappelle que Leia, c'est une Skywalker. Voilà, que son frère jumeau, Luke, est quand même assez puissant avec la Force. Alors, pourquoi est-ce que Leia n'aurait même pas cette même... je dirais... attirance, c'est même affinité avec la Force que son frère. C'est pas illogique. Surtout que, par rapport au fait de ne pas décéder dans l'espace, on apprend, selon les dires de Palpatine, donc Dark Sidious, explique que son maître, qui était Dark Plagueis, aurait vaincu la mort grâce à la Force. Alors, bon, on sait pas si Sidious ment ou pas, mais si c'est vrai, ça pourrait expliquer pourquoi Leia, dans un élan de peur, de crainte, dans un sursaut instinctif, arrive à survivre dans l'espace et à se ramener elle-même sur le vaisseau. Donc au final, c'est pas si illogique dans la mythologie Star Wars. Autre chose aussi assez surprenante, ben déjà c'est le retour de Yoda. Moi j'ai été très surpris de voir qu'il revienne. Non pas en flouté, enfin il est flouté au départ, hein, comme tous les esprits qui ont une affinité, une très grande affinité avec la Force, hein, donc comme Obi-Wan Kenobi par exemple. Il est flouté au départ et après il devient tangible. Comme ça, voilà. Voilà, comme sur la table que je frappe actuellement. Même qu'il tape Luke avec son petit bâton. Alors tu te dis, oui, il est mort Yoda, comment ça se fait? Et puis d'un coup, là, il t'envoie des éclairs sur l'arbre qui est censé être le temple des premiers Jedi, etc. Mais attends, les éclairs, c'est plutôt l'empereur qui fait ça, c'est plutôt les Sith. Oui mais, dans l'excellente série Star Wars Rebels, on apprend l'existence
d'un être qui s'appelle le Bentou, hein, si je dis pas de bêtises, un être qui est totalement lié à la force, un être gigantesque, qui est capable également de tirer des éclairs, de faire des choses qui pourraient sembler à des Sith, mais qui n'est ni du côté obscur, ni du côté lumineux de la force. Il est peut-être la force elle-même, on ne sait pas. Et si Yoda, qui était quand même l'un des plus puissants de Jedi, hein, est devenu la force même, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, il pourrait donc devenir tangible, comme il est dans le film, il pourrait donc tirer des éclairs, faire tomber la foudre sur l'arbre. Finalement, pourquoi pas? Voilà, c'est encore du pourquoi pas ici, quoi. Ensuite, on a Luke Skywalker, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ça. Luke Skywalker qui doute énormément de la force, énormément de la voix des Jedi, la voix des Sith, et qui se remet en question après la connerie qu'il a opérée face à son neveu. Hein, Et ça, beaucoup de personnes n'ont pas aimé. Moi, je trouvais ça bien. Je trouvais ça bien parce que ça remettait en question également le principe même de bien et de mal dans l'univers de Star Wars, qui est quand même hyper manichéen à la base. Du coup, ça remet tout en question la saga Star Wars, mais d'une bonne façon. Luke explique qu'il est peut-être temps d'abandonner ce clivage Sith-Jedi, qu'il était temps de faire table rase de tout ça, de passer à autre chose. Et personnellement, j'aime bien cette idée. J'aime vraiment cette idée. Et je me demande, moi, si dans le 9, mais bon, ça on en parlera plus tard, je me demande, moi, si dans le 9, ils vont pas partir dans cette voie-là. Ce que j'espère. Bon, alors après, sur les points négatifs, évidemment, on a le coup de Finn et de Rose qui partent sur la planète Casino et qui sert pas à grand chose au final, hein, dans le dénouement. À part si de libérer des espèces de chevaux chelous, là. Voilà, c'est tout. Et aussi peut-être de les rapprocher, lui et elle. Tout simplement, mais après, c'est vrai que dans le reste de l'histoire, on voit pas trop à quoi ils servent. Voilà. Le truc négatif aussi qui m'a un peu gonflé, ben. Vous l'avez compris juste avant, j'en ai parlé. La petite parole de Rose à la fin qui dit que oui, on gagne pas une guerre en tuant les ennemis, mais en protégeant ceux qu'on aime. Alors oui, c'est bien, c'est gentil, c'est joli, ce que vous voulez. Mais bon, moi qui suis sur l'information, techniquement, ça marche pas comme ça, malheureusement. Si c'était le cas, bah, y aurait plus de guerre. Mais ouais. Et je pense que les actualités montrent bien le contraire. Et je vous rappelle également que protéger ceux qu'on aime, ça peut partir en couille. Ben, Anakin Skywalker, s'il a basculé vers le côté obscur, c'est justement parce qu'il voulait protéger premièrement sa mère, il n'a pas réussi, et ensuite Padmé, les deux femmes qu'il aimait le plus au monde. Et du coup, il est devenu lui là. Ah ouais, pendant que j'y pense. Les rebelles, les gars, stratégiquement, vous êtes des grosses buses. Mais vraiment, hein. Parce que je vous rappelle que les rebelles ont détruit dans l'épisode 7 la super étoile de la mort, hein, j'ai oublié le nom de cette parodie, j'ai envie de presque de dire là, parce que c'est tellement gigantesque que j'ai trouvé ça un peu limite. Donc ils détruisent l'arme principale du Nouvel Ordre, donc on se dit ouais c'est bon ils ont gagné. Ben non, ils sont en train de se faire péter la gueule par le Nouvel Ordre. Ok, d'accord, donc pourquoi? Enfin comment ça se fait? On pensait que vous aviez réussi à foutre une belle déculottée au Nouvel Ordre et puis là vous êtes en train de vous faire péter la tronche. Eh ben ça, on sait pas encore, hein. Et on va certainement le savoir, parce que Disney est actuellement en mode « Oui, ben, les choses que vous savez pas dans les films, vous pouvez les connaître en achetant notre bouquin, ou notre bande dessinée, ou notre série. » Bref, donc, tu te dis « Bon, c'est bizarre, est-ce qu'il y a des choses où ils ont été un peu des buses ?» Et ensuite arrive la première scène de bataille dans l'espace, avec les bombardiers, etc. Donc on se dit, les rebelles, ils ont quand même du matos qu'ils doivent connaître. Ils doivent connaître les points forts et les points faibles de ce matériel, de ces vaisseaux, etc. Donc ils décident de mettre tous les bombardiers les uns à côté des autres, mais assez proches. Enfin les bombardiers, je sais pas si vous vous rappelez, ils sont constitués de petites boules de bombes, hein, finalement. Qui semblent se déclencher au contact, hein, comme le principe d'un obus, hein, tout simplement. Et quand un bombardier explose, eh bien évidemment toutes les boules se projettent partout. Et ça fait une belle réaction en chaîne. Et là t'as envie de dire, non mais les gars, vous savez que c'est un peu risqué de les mettre à côté. Pourquoi vous avez fait ça? On sait pas. Pareil, la générale Holdo, celle qui fait un magnifique sacrifice kamikaze, la scène est superbe. C'est une des plus belles scènes que j'ai vues dernièrement, enfin dans les films de science-fiction. Elle est magique, magnifique.
Mais tu sais pas pourquoi cette générale dévoile pas son plan à ses propres troupes, chez les rebelles. Elle dit pas pourquoi elle décide de faire évacuer le vaisseau. Elle le dit pas. Et on le dit juste à la fin, justement, elle va sacrifier, parce qu'il y a une planète pas loin qui était un ancien fort, un ancien QG de rebelles, il y a longtemps, et que le Nouvel Ordre n'est pas au courant. Pourquoi elle leur dévoile pas ? A priori, il n'y a pas d'espion dans dans sa flotte. Pourquoi elle le dit pas ? Voilà. Bon, ça c'est la petite considération stratégique par rapport aux rebelles. Mais à part ces petits points ici et là, qui sont quand même des petits problèmes de scénario, hein, faut avouer, j'ai trouvé le film hyper sympa. Non, vraiment très bien. J'étais très content de voir ce film. J'avais très très peur parce que le Star Wars 7 n'avait pas emballé du tout. Enfin, je l'avais trouvé. Ouais. Voilà, sans plus quoi. Et là, j'étais très content quand je suis sorti de la séance. Mais je voulais quand même refaire une deuxième séance parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais plein de questions en tête. Et ce film m'avait retourné totalement le cerveau, l'esprit. Donc j'ai essayé de retrouver 2-3 éléments qui m'avaient semblé un peu étranges pour l'instant. Et dans le deuxième visionnage, eh bien en fait, ces éléments avaient tous un sens. Oui, je viens de dire que j'aimais pas le Star Wars 7. Et sincèrement, je pense, personnellement, que c'est le moins bien de tous les films Star Wars. Mais de tous, pour le moment. Je vais pas refaire le truc, hein, d'autres personnes l'ont déjà fait avant moi, hein, c'est simplement une réédition de l'épisode 4, enfin, avec de nouveaux personnages, etc. Jean-Jacques Abrams, alors, oui, je l'appelle Jean-Jacques parce que je connais jamais ses prénoms, hein. Jean-Jacques Abrams, donc, a fait quand même de très très beaux trucs au niveau réalisation, enfin, à mon sens. Moi, je me rappelle surtout de l'arrivée des TIE Fighters dans l'horizon qui est trouble, comme un peu dans une espèce de western un peu bizarre, enfin, j'avais trouvé ça hyper intéressant, surtout tout ce qui était le côté gigantesque des ruines, des cadavres, entre guillemets, des vaisseaux impériaux qui gisaient sur le sol de Jakku. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très très beau à regarder, à voir, c'était bien foutu, quoi. Mais Jean-Jacques Abraham, ce que je lui reproche, pas seulement dans Star Wars, mais dans beaucoup de choses qu'il a produites, c'est d'avoir des scénarios qui sont bof. Et surtout qu'il ne sait pas comment les terminer. Alors de lui, qu'est-ce que j'ai vu de lui ? J'ai vu les 3 Star Trek. Bon, j'ai pas été un fan. Non, j'arrive pas. J'arrive pas à accrocher à ces Star Trek. Enfin, je pense que c'est l'univers même Star Trek qui me bloque. Hein. Je trouve ça trop propre, en général. Mais là, je pense que c'est plutôt une question de goût, parce qu'il y a certainement des choses très intéressantes dans Star Trek, hein, sinon ça aurait pas un tel succès. Mais je me suis rendu compte que Star Trek, finalement, marchait pas tellement en France. Il y a, je pense, une histoire culturelle qui fait qu'on n'arrive pas à accrocher à Star Trek et plus à Star Wars. Donc les Star Trek, je les ai vus les 3, je les ai trouvés à chaque fois, bref, bof. De lui, j'ai vu quoi ? J'ai vu Fringe. J'ai bien aimé les 4 premières saisons. À part la fin de la 4ème saison qui est hyper bâclée, parce qu'il fallait entamer la 5ème saison. Qui est pourrie. Mais vraiment pourrie. J'ai vu quelques épisodes de Lost, mais j'avais décroché au bout d'un moment parce que quand il commence à déplacer l'île et tout ça, tu te dis ouais, ça part en couille. Tout le monde se rappelle à quel point la fin de Lost a priori a été décevante. Moi je ne l'ai pas vu, je ne vais pas la voir. Je n'ai pas vu, c'était quoi, c'est Alias, j'ai vu quelques épisodes, mais quelqu'un que je connais beaucoup, beaucoup, très 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 bien, pour ne pas le dire ma femme, les a vus et me dit qu'à chaque fois la fin est plaf, voilà. Donc à mon sens, Jean-Jacques Abrams est un bon montreur d'histoire. Il sait les réaliser, il sait montrer une histoire. En revanche, je ne pense pas que ce soit un bon faiseur d'histoire. Non. Parce qu'on sent que, dans ce que j'ai pu voir, et des échos que j'ai pu avoir sur d'autres séries ou d'autres productions d'Abrams, on sent qu'il n'arrive pas à terminer ses histoires. Et bien souvent, ça finit en eau de boudin, quoi. Du coup, ça explique pourquoi le 7, j'ai pas été emballé, parce que j'ai retrouvé un peu les problèmes que je reprochais à Abrams. Et ça me rassure pas pour le 9, puisque c'est lui qui va devoir terminer sa saga. Enfin bref, à part ça, hein, par ces petits détails, comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé le film Star Wars 8. Et je peux comprendre que des fans ont été choqués par ce film. Mais sincèrement, quand on gratte un petit peu, il y a beaucoup de choses qui paraissent illogiques qui finalement ne le sont pas. À part peut-être le fait de tuer le grand méchant Snoke et de tuer Phasma. Mais ça, on va en reparler juste après. Pam 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 p
pam, 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 pam,